Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, j'ai un Happy Mail. Je vais en avoir d'autres que je vais recevoir aujourd'hui, mais pour le moment, j'ai celui puis j'ai trop hâte de le regarder. Fait que je me suis dit, on va l'ouvrir ensemble. Ça fait longtemps que je veux ça. Puis mon chéri m'a offert un cadeau. T'as même trouvé ça. En espérant que je coupe pas avec l'exacto. Ça serait le bout du bout, hein? Attendre un colis, puis en l'ouvrant, je me coupe. Ça pourrait être quelque chose qui m'arrive avec mes mains. Donc on va voir ça. Je sais la boîte est grosse, hein? Je vais le tasser de là. Oui, c'est ça, je vais bouger la boîte parce que là, elle est vraiment trop grosse, puis je vais mettre qu'est-ce qu'il y a dedans sur mon bureau. Pas de boule. Je vais aller dans l'extraction. Un petit boîte. Je vais me demander qu'est-ce qui pourrait être dedans. Oui, je sais. Puis un sac plus. Puis encore d'emballage en boule que je vais ranger. Je vais mettre dans les plus tantôt. Fait qu'on va aller avec le petit sac en premier. Vu que c'est l'affaire la moins intéressante dans la commande. Excuse-moi. Mes mains, c'est fait. Fait que dans le fond, c'est des rechanges pour la gomme électrique Derwent, dans le fond. Il commence à m'en manquer. Fait que je vais acheter des échanges. Des recharges. Et ça. Ça, là, j'avale. C'est, je pensais pas des avoir cette année, mais j'ai comme vraiment. J'avais vraiment, vraiment trop hâte qu'il arrive. J'ai commandé ça avant-hier. Fait que je suis trop content. Ta-da-ta-da! Regarde! C'est mes polychromos! Regarde-moi ça, cette beauté-là! Yay! Je suis trop, trop content. J'avais imprimé déjà mon papier de swatch. Fait que je vais faire tout ça tantôt. Puis là, ça va être de... d'apprendre à colorier avec. Apparemment, ça se colore pas comme tous les crayons, mais ça va être un vrai parti de plaisir parce que tout ce que j'ai entendu sur ces crayons, que ce sont vraiment merveilleux. On va les ouvrir, on va checker les trois cabarets, mais je ne ferai pas les swatchs avec vous. Vu que c'est sans mes crayons, à moins que, tu sais, je peux les montrer après. On va l'ouvrir. Hey, ça sent-tu bon, hein? Tes polychromos. Leur belle boîte en aluminium. Hey, regarde-moi ça, c'est son bel écran. Wow! Excuse-moi. Le livre, c'est quoi ça? Ils parlent de leur produit. En pleine langue. Fait que ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ils parlent de leur gamme. Fait que voilà, ça c'est ça. Et c'est beau, hein? Des crayons tout neufs. On peut-tu lamenter là-dessus? Pas vraiment. On va aller regarder toutes les couleurs. Mais c'est tellement des belles crayons. Regarde-moi ça. Quelle beauté. Ah, je suis trop content. Je suis trop, trop content. Je vais tout faire ça tantôt. Puis là, ben, il va y avoir d'autres parties à cette vidéo-là parce que, comme je te dis, j'attends d'autres colis aujourd'hui. Mais le prochain colis, je vais faire des swatchs avec toi. Mais avec vous autres. Fait que, pour le moment, je vais te dire, je reviens tantôt. Puis, pour toi, ça ne durera pas longtemps, mais pour moi, ça va être peut-être quelques heures. Fait que, à tantôt! Bye! Me voilà, le reste de mon Happy Mail est arrivé. On va regarder ça ensemble. On va regarder, puis après, on va faire des nuancés. Nuancés. Et voilà, j'ai acheté les 30 acryliques extra fin type de Tuli Art. Après que Zazu a montré ça sur sa chaîne, j'ai été très, très, très curieux.
Fait qu'on va regarder ça. J'ai celui-là. Ensuite, j'avais juste ouvert le sac. J'ai des pinceaux à l'eau OUU. Réservoir d'eau. C'est bien comment ça a été magasiné. Et ensuite, c'est tout. J'ai eu celui-là. Le même kit que Zazu a montré, le Skin et Earth Color. Ok, on va commencer par les pinceaux, puis après ça, on va checker ces stylos-là. Ouais. Sortir mon couteau exacto. Hein? Et madame, ses doigts ne veulent pas marcher. Ouais, le couteau va marcher. Hein? Oh my god, ça. Toujours de même, hein? On cherche puis on ne trouve pas. Excusez-moi pour tout abri. Tiens. Dans pire de la récupération. Avec ça, mais il y a plusieurs formats. Je vais prendre déjà ces pinceaux-là, tu vois. Ils sont vraiment bien. Je les aime, ils vont bien, ils ne coulent pas. C'est sûr, peut-être qu'il y a des meilleurs pinceaux réservoirs d'eau, mais à date, moi, je les aime celle-là. Mais si tu as des suggestions à me faire, parce que moi, j'ai besoin vraiment les points de film. Je suis ouvert à toutes les suggestions. Fait que voilà pour ça. Alors, on va-tu avec celle-là en premier? Les 60, les 30 Acrylic Paint Pen de Tule Art. Il dit satisfaction garantie, des problèmes, des questions, des commentaires. Envoie un email, puis il donne une adresse email. Et ça, puis ils ont leur propre site web. Fait que ça peut pas être un mauvais signe, ça. Ouais, on va mettre ça tout dedans, pour aller dans la récupération. Ça va être plus facile comme ça. C'est une tape? Non. OK. Ils disent sur le côté 28 couleurs plus 2 extra. Puis des embouts d'extra. Et on va l'ouvrir. On va voir. Tu vois. C'est des embouts comme Mail UU. Ils sont pas encommencés. Il n'y a pas de nom dessus comme tel. Je sais pas si je vais pas toutes les activer, faire des swatches avec toi là ou après. C'est Free Rock Painting Cookbook. Puis ça, c'est les embouts d'extra qu'ils donnent. Ils montent avec le embout dessus. Et du taper sur un surface dur pour déloger la boule. Il dit peser l'embout pour ôter l'air extra. C'est pour peinture. Il donne toutes sortes d'instructions. Tu sais, mettons, peinture trop liquide. T'entends pas la boule quand tu brasses. Cogner pour déloger. Peser l'embout pour ôter l'air et la pression d'excès s'il coule. S'ils sont bouchés, tu peux le laver. Tu peux le tremper l'embout bouché. Tu peux le remplacer. C'est bon. Fait que c'est cool. On va tester un pour voir. Parce que là, ça nous en fait pas mal. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Il a dit de faire ça ici. Au Taylor. Ok. Moi, je dois. Taper pour voir que ça va donner. Quand même assez long, hein, que la peinture commence à descendre, ça, non? Ouais, il commence. On commence à le voir descendre, c'est vrai. L'embout commence à remplir. Ok, ça c'est cette couleur-là. Et là, je sais pas. Je fais-tu tout en live avec toi et en jaser ou je les entends à morse puis on les fait après? En tout cas, on va ouvrir la boîte pour commencer. Voir s'ils sont toutes faites pareil. Puis après ça, je pense que je vais toutes les activer. Puis je vais revenir te montrer ça parce que sinon, ça pourrait être long.
toujours fun quand t'essaies d'ouvrir puis t'arrives pas, même quand en coupant un plastique. Hein? ok, non. J'attendais ça pour finir mon colo de. Une de mes colos que je suis en train de faire. Que je te montre dans mon pack. Fait que ça va me permettre de le finir. Puis après ça, je vais tester mes polychromos dans un colo. Laquelle, ça, je sais pas. Voilà, grenouille. Coupe d'œil. Puis tu vois, il sent pareil comme l'autre. Le même style d'embout, tout. Fait que c'est ça. Je sais pas. Je fais quoi, là? J'ai fait-tu tout amorcé, là? On va voir. C'est-tu long? On va essayer un deuxième, on va voir. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire mes swatchs. Puis je vais revenir te montrer les swatchs de chaque chose. Parce que moi, c'est assez long. Je vais mettre un numéro sur chacun, vu qu'il n'y a pas de nom écrit ni de numéro. Comme ça, mais que je fais le swatch, mais ça va marcher. Ouais, c'est ça. Allons, attends, mais ça va quand même vite, mais je vous ferai pas attendre, je pense pas. Et c'est une belle couleur, ça, là. Fait que c'est ça. Je vais. Non, on va les faire. Pourquoi pas? On va vider ça ici. Ok. Bang. Trois couleurs. Merci, Zazu, de nous avoir montré ça, ce produit-là. Parce que, sérieux, je cherchais deux couleurs. Moi, j'ai pas les artisans. J'ai juste les OU. Puis, je trouve qu'il manquait des couleurs. C'est un petit calepin du Dollarama. Ça joue vite. Oui, assez vite. Le rose était pas tout à fait sèche, mais ça, c'est pas grave. On continue à faire ça. Ah, il traverse. J'espère qu'il traverse pas dans les livres à couleau. Il sent bien, celle-là. Ouh, du argent, puis elle est belle à part de ça. Qu'est-ce que je pense? Je vais mettre sur pause à chaque fois que je vais amorcer. Ouf, regarde. Je sais pas si ça te dérange pas d'écouter une longue vidéo. C'est tout. On ferait ça de même. On jaserait en même temps. Fait que là, il est sorti. J'ai fait mon pack. J'ai quand même pas mal de colo, mais je vous dis pareil, hein? Des offres pour du beau, etc. J'en cherche toujours, toujours. Moi, ça, c'est quelque chose qui motive beaucoup. Qui motive beaucoup des fois quand je suis un panne de colo. De savoir que j'ai des duos avec d'autres gens, ça m'encourage beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, ils s'activent tout de même. Je pense, je vais aller faire mes swatchs. Puis je vais vous revenir parce que là, je rends compte que. Ça n'aurait pas de sens. Là, écoute, ça m'a pris 3 minutes pour 4 colos. Là, fait que c'est ça. Je vais les activer. Je vais faire mes swatchs. Je vais mettre mes numéros. Puis je vais revenir vous montrer ça. Fait que la prochaine fois que tu vas me voir, ça va être avec mes swatchs terminés dans ce livre-là. Puis je vais montrer les swatchs pour chaque kit. Comme, mais de les deux que j'ai. Hein, parce que j'ai pas n'importe quoi comme kit non plus. Hein. J'en ai juste. Deux, mais ce produit-là a l'air d'avoir plein de choix. Fait que je vais vous mettre sur pause, puis je te reviens. Ok, je suis de retour. Les swatchs sont toutes faites. J'ai tout amorcé les crayons. Fait que je vais te montrer ça. J'ai vérifié les noms, puis il n'y a aucune couleur qui double de chaque boîte. Fait que pour les 30 acryliques Paint Pen, ils ne disent pas c'est quel pack, mais moi je pense que c'est les couleurs essentielles. Si je m'abuse, c'est le numéro, parce que moi je les ai numérotés pour celle que j'avais, c'est le numéro 71 à 98. Fait que dans le fond, des sortes à là. Il y a quand même des belles couleurs que j'avais pas déjà avec mes OU.
Fait que je suis très content. Puis garde-moi cet argent-là, il est beau. L'or aussi, mais pas autant que l'argent. Puis le reste des couleurs, mais c'est le Skin and Earth Color. Et tu vois, c'est vraiment des couleurs qu'on n'a pas vraiment. C'est pas des couleurs vives. Fait que c'est vraiment intéressant à voir ça. Moi, j'ai d'autres de la boîte. Je vais aller tout garder en même place dans une grosse coffre comme ça. Fait que vous voyez, c'est quand même bien. Ça me donne l'espace. Fait qu'avec ça, moi, je vais te dire bye à la prochaine vidéo.